année, on a près de 1000 espèces endémiques et un peu plus que 600 espèces qui sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc on a une richesse très importante. Le Royaume du Maroc aussi a été choisi parce que c'est un pays de tradition qui est lié à la plante digitale dans nos forums, hein, pas uniquement les utilisateurs. Mes remerciements vont également à M. le gouverneur qui n'a épargné aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Il aurait bien aimé être parmi vous, parmi nous, mais il est vraiment c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Là, si vous allez à la Libéria, vous allez le trouver parce qu'il sort pratiquement de son bureau vers 9h du soir. C'est un grand bosseur et c'est une bonne chose pour la province des Savannahs parce que vraiment, il est en train de faire un excellent travail au niveau de cette ville. Je voudrais remercier tous les institutionnels, monsieur le directeur de l'agriculture de la région des Savannahs. Il y a aussi monsieur le directeur provincial des eaux et forêts, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se trouvent dans le domaine forestier. Et le haut commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, il a tout un plan de valorisation de ces plantes sauvages. On est par contre on est sur le carolier, le fait assister là, mais c'est une manière de choisir, ou bien mais de qui parle le carolier. Alors, tous les appuis qu'on a eu de cette association de l'Albaïkar, c'est pour la promotion et l'organisation de la femme. Enfin, je résume. Burkina et une au Togo, pourquoi nous sommes venus au Maroc? Alors, il y a des raisons très sérieuses. D'abord, la présence de Mme Charouf, professeure d'université, grande combattante de la cause d'Argan en des temps plus difficiles qu'aujourd'hui, et qui est venue plusieurs fois au forum au Burkina et au Togo, qui a été notre marraine. Ensuite, l'existence, comme ça a été cité, de nombreuses traditions liées aux plantes et à la beauté au Maroc, héritage d'un grand passé historique de ce pays qui a connu différentes civilisations, différents peuples qui sont toujours présents, qui vivent en harmonie. Les principales raisons, au lieu de le dire, on parle franchement entre nous, c'est la gastronomie marocaine. Bonjour, mon nom c'est Mélissa Hervé, je suis cofondatrice de Zora Bio Cosmétiques. Nous sommes une manufacture d'huile d'argan à Montréal. Notre implication ici pour le forum, c'est très important pour nous de participer parce que depuis des années, on coopère avec vos coopératives et c'est un moyen pour nous de s'impliquer avec vous et on est très fiers d'être ici. Merci beaucoup de votre invitation. Est-ce que vous êtes fiers de ce forum tant qu'il est à Essaouira? Oui, Essaouira, c'est une magnifique ville. On adore venir à chaque année et c'est le début de notre histoire avec Zora et Essaouira. Je crois que ce forum-ci va vous attirer beaucoup, beaucoup de manufactures et d'industries qui vont vouloir avoir vos matières premières et s'impliquer avec vous au niveau du développement équitable. Donc, c'est très important ce forum, je crois, aujourd'hui. Vous allez avoir une belle implication dans le futur. Khadija Saï, présidente du groupement Ethical Women, la région d'Agadir. Alors, Essaouira, le forum de la beauté en Afrique, mené l'invitation de l'association Ibn al-Baytar. الهدف من المجيء ديالنا لهذا الفوروم هو لي رانكونتر هو لي زيشانج اللي غادي يكونوا لي معنا بيننا وبين دي غران لابوراتوار في لوروب وفي لو موند اونتي وعندنا عاوتاني حتى غادي رانكونتر مع دي برودكتور ديال دي برودوي اللي هما جداد تعرفنا عليهم في هذا الفوروم في لافريك بحال الويل دو باوباب بحال البور دو كاريتي ولا زيفي ديالها المهم كانوا بزاف ديال لي زيشانج مع الاخوان ديالنا في افريقيا وهذه بادره حسنه اللي كتقرب وكتساعد على التواصل مع لي برودكتور ديال لا كوزميتيك سورتو لا كوزميتيك بيولوجيك والجميع اللي كيعرف ان دابا حاليا الناس كيتفاداو المواد الكيماويه بزاف في الاكل ديالهم وفي الكوزميتيك وفي كلشي الحوايج اللي كيستعملوها صراحه انا تفاجات بزاف بشي مواد في افريقيا انا اكتشفتها لاول مره اليوم واكتشفت لي زيفي ديالها
ثاني حاجه اللي بغيت نتيتري عليها هي لي رونكونتر مع دي كرون لابوراتوار، منهم اللي هما زبائن ديالنا وجاو زارونا وتعرفنا على القرب وجلسنا معاهم، منهم دي لابوراتوار جداد اللي نقدروا نخدموا معاهم في المستقبل القريب ان شاء الله، وتعرفوا عن قرب على لي برودوي ديالنا اللي كاينه واحد لافونت بريفي دابا في لوطيل، يعني دي طابل هكا اللي تقدروا تشوفوا معنا، يعني كان نعرضوا فيها المنتجات ديالنا. كاين عندنا زيت ارغان ديال التجميل هذا في لي 3 فوليوم، عندنا زيت ارغان ديال الاكل، زعفران ديال تاليوين، مورد ديال قلعه مكونه، عندنا لي دو غرين دو غرين دو فيك دو بارباري ديال سيدي فني، املو انورم برودوي ديال لا ريجون ديال سوس ماسا اللي كلنا جمعنا في لو غروبمون د انتريت ايكونوميك ايتيكال ويمن اللي سمينا ايتيكال ويمن اللي كاين في لا ريجون ديال اكادير. الوغ الهدف من نهضر شويه على لو غروبمون، الهدف من تاسيس هاد المجموعه ذات النفع الاقتصادي هو غوغروبي، يعني غوغروبي الخدمه ديالنا اللي غادي نقدروا انا كل واحد كيخدم بوحدو، وكيجي بعد خطرات واحد الزبون كيبغي كاع هاد لي برودوي وكيلقى بزاف ديال الناس كيهضروا كل واحد كيهضر في شكل، الوغ هاد لو غوبمون ديالنا جا باش يقرب الزبون بزاف وتعطيه رؤيه مزيانه على لي برودوي وتوريه لي برودوي دو هوت كاليتي وتعطيه لو سيرفيس حتى هو دو هوت كاليتي. و لو غروبمون ديالنا بغيت نهضر عليه شويه، انه ان بو ديفيرون على اللي كاين. اولا اننا سميناه ايتيكال ويمن، يعني شي حاجه كتعلق بالتجاره العادله بيننا حنا العيالات، يعني انني نستافد انا وتستافد منخرطات اللي معايا ويستافدوا جميع النساء وحتى المناطق اللي متواجده اللي ساكنه فيها النساء، ويستافدوا ولادهم وتستافد العائله كلها. بالنسبه للانتاج ديالنا وتسويق زيت ارغان، اننا اول مجموعه ذات نفع اقتصادي اللي غادي نخدموا اون بارتناريا مع المديريه الجهويه للمياه والغابات ولا جي اي زد التعاون الالماني وجمعيه ابن البيطار. ما خدمناش بزاف على غير توسكي كوميرسيال، ولكن خدمنا على لا سونسيبيليزاسيون، على لا بلونطاسيون، على الغومبوزمون ديال لا فوغي. الكل كيعرف ان شجره ارغام متواجده في المغرب فقط، ولكن بحكم التغيرات المناخيه بحكم بزاف ديال العوامل انها كتضرر، وحنا الان جينا بدينا بعدا بواحد العمليه اللي هي جد طيبه، اننا درنا في غضون سنه ونصف في الغومبوازمون، يعني تشجير وتسييج ديال 116 قطار في المنطقه ديال ما بين الدرارقه وانسكروب، ودابا ان شاء الله راه حنايا في صدد باش نديرو تسييج وتشجير في الدواور الاخرين. السلام عليكم. La bienvenue. J'espère que le voyage d'Issaouira à Tamanas était bien passé. Bon, vous êtes là avec Madame Charoff dans le cadre de notre promotion de notre province, la gouvernance de Dieu, le gouverneur de Sawera, pour faire un petit peu de promotion pour ce petit patelin ou bien pour toute la province. Vous êtes là sur le village d'Argan, un village qui a été construit dans la fin des années 80.
Donc c'est un complexe comme vous voyez, là où il y a un théâtre, des boutiques, vous savez, en pas encore été voté, mais c'est le moment pour faire un petit peu de promotion pour ce petit ville de Tamana. Donc je vous souhaite encore la bienvenue et faites comme chez vous. Et merci beaucoup. Je suis le président de la vallée des métiers de beauté, je suis venu du Togo. J'ai aimé la 6e édition du Forum international Afrique de beauté qui s'est déroulé à Essaouira. Et c'est la première fois que je découvre la Ranier. Et les associations qui ont été visitées, c'était super, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés pour réussir cette filière. Et je crois que le programme de renforcement des capacités de ces femmes et tout ce qui constitue la chaîne de valeur de la cosmétique soit valorisé pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Merci. À la coopération algéro-allemande à Alger. L'UFIAB, le Forum international Afrique et beauté, c'est une initiative très brillante de la part d'un ensemble de chercheurs scientifiques qui travaillent sur les substances naturelles, la biodiversité de l'Afrique. C'est une initiative très, très brillante de la part d'un ensemble de chercheurs qui travaillent sur la biodiversité de l'Afrique et des porteurs de projets dans la cosmétique. Donc la manifestation, elle a permis à l'ensemble des participants, que ce soit du secteur privé, des gouvernements, de renforcer leurs efforts et partager les expériences qui sont faites au niveau de pas mal de pays en Afrique. Et ça nous a permis aussi de voir le modèle de coopératives d'Arganier qui sont développées au Maroc et leur réussite à organiser la filière et à permettre au développement local des régions d'Arganier et aussi à promouvoir le rôle de la femme rurale dans la société. Comment vous trouvez le domaine d'Arganier par rapport à chez vous en Algérie, au Maroc? Au Maroc, comment vous trouvez par rapport à chez vous en Algérie? Bon, c'est clair qu'au Maroc et en Algérie, il y a des ressources qui ne sont pas identiques. Donc chaque pays a spécificité en matière de biodiversité et d'écosystème. Mais nous sommes aussi ici au Maroc aujourd'hui pour parler de notre expérience dans le développement des filières, notamment les palmes et l'huile de lentille, qui est une filière, on voit vraiment de développement. Il y a des acteurs très importants institutionnels et privés qui travaillent pour la promotion de cette filière. Voilà, à travers le rôle de la femme rurale qui fait un très grand travail dans ce domaine. Nous dire sur le FIAB. Non, le FIAB est un vraiment où les gens s'expriment librement, hein, exposent les difficultés de l'Afrique pour trouver une solution ensemble afin de faire ce qu'on appelle le développement. Au niveau d'organisation au Maroc, super. On a été utile à l'agréable parce que nous sommes en train de tourisme. Nous avons découvert à travers Marrakech et Essaouira, à travers ce coopératives, à travers ce peuplement d'Argan. Vraiment, c'est bon. Très bien. Merci. Je travaille sur les plantes médicinales. Je suis également présidente de la fondation, présidente de l'association Ibn al-Baïta. Nous avons co-organisé le Forum international Afrique Beauté avec l'association Nature et Culture Biodiversité.
C'est la 6e édition. Le forum regroupe plusieurs personnes, d'abord des industriels, des laboratoires de la cosmétique, des chercheurs, et la société civile, des coopératives. Donc l'objectif est de débattre un petit peu d'abord toutes les filières qui existent au niveau de l'Afrique et promouvoir l'entrepreneuriat féminin et promouvoir aussi l'entrepreneuriat basé sur le végétal. Donc voilà, c'est les végétaux d'une manière générale renferment des composés très intéressants pour la cosmétique. Nous sommes très fiers que ce forum soit organisé au Maroc, d'abord parce que c'est un pays où il y a une tradition concernant la médecine traditionnelle, mais c'est également un pays qui est très beaucoup de personnes aiment bien venir aller voir grâce à la stabilité économique, investir dans ce domaine. Donc, donc ce forum-là s'est articulé sur plusieurs thèmes. La première, c'est voir un peu toutes les filières existantes et sont traitées par des grands labos, comme LVMH, Greentech, C-Lab, Givaudan. Ce sont tous des laboratoires qui produisent des ingrédients cosmétiques, des commercialistes, soit pour Dior, soit pour L'Oréal, Yves Rocher, tout ça. Alors nous avons aussi eu des ateliers, 4 ateliers en parallèle. Le premier concerne le protocole de Nagoya, où on a débattu l'accès et le partage des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques au profit des populations locales. Un deuxième sur le packaging, comment est-ce qu'on voit le packaging en Afrique. Le troisième sur la certification. La certification généralement coûte très cher pour les pays africains. Donc, est-ce qu'il y a une alternative pour le système pour la sécurité et la sécurité des produits cosmétiques? Voilà, c'était un débat ouvert, transparent, tout le monde disait son point de vue, aussi bien le secteur cosmétique que les producteurs, que les chercheurs. C'était un débat très riche. Aujourd'hui, nous avons consacré cette journée à la sortie sur terrain. C'est pour montrer un peu les réalisations du Maroc, pour tout ce qui est l'huile d'argan, les plantes aromatiques et médicinales. Nous avons été très bien accueillis et j'en profite pour remercier les autorités provinciales et locales, ainsi que les élus. Et demain, on va parler un peu plus de recherche scientifique, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on peut promouvoir l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut travailler la main dans la main. Donc bien sûr, le savoir-faire en Europe, mais grâce à des partenariats, des transferts de technologies, on peut réussir à travailler tous ensemble. Olivier, je suis président de l'association Nature et Culture Burkina qui a organisé avec l'association In Altaï de Madame Charouf au Maroc et Beauté. Alors c'est un forum qui permet de réunir tous les acteurs des filières de la cosmétique, depuis les cultivateurs, les femmes des coopératives, des associations, les chercheurs, les industriels de la cosmétique, les autorités des ministères de l'Environnement, pour qu'on échange ensemble comment améliorer ces filières de la cosmétique. Alors nous avons fait des conférences, nous avons fait des débats et nous avons également fait des visites de terrain pour visiter les coopératives des femmes qui font l'huile d'argan au Maroc. Donc le forum a été un lieu d'échange, de convivialité. Je pense que les participants sont satisfaits de l'organisation et de l'accueil du Maroc. C'est un pays de tradition, un pays où il y a beaucoup de plantes très intéressantes également. Donc vraiment nous sommes très satisfaits de ce 6e forum Afrique et Beauté à Essaouira au Maroc. Merci.